On met un petit peu d'encre. Ouais. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu de colle à embosser. On a déjà embossé deux fois avec de la colle transparente et de la poudre transparente. Et puis, je veux mettre, je vais l'approcher ici, je vais mettre un soupçon, là, vraiment quelques grains, tout petit peu de poudre dorée. Ça pourrait être une autre poudre de couleur, là, ça pourrait être argent, ça aurait été joli aussi argent avec ces couleurs-là. Oui. Et voilà, comme ça. Je secoue pour être sûre qu'il n'y en ait pas de trop, parce que je veux que ça soit vraiment très léger. Et je vais faire chauffer avec mon fer à embosser. Je vais le tenir parce que ça devient très, 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 très chaud. Voilà. Donc, là, ça va faire juste léger. On dirait que ça se mélange avec le reste de la poudre, les deux couches de poudre qui sont en dessous. Et puis même, si je voulais, je pourrais mettre encore plus de couches et puis ça ferait encore plus lustré. J'aurais pu mettre peut-être 3-4 couches de transparente. Et quand on chauffe, plus il y en a épais, plus la poudre qu'on vient de mettre se mélange avec le reste. Ça bouge pratiquement. Voilà.